Le corps d'Agnès n'a jamais été retrouvé. Ça fait plus de 20 ans que votre fille a disparu. Je ne peux pas laisser l'assassin d'Agnès en liberté. Je crois à la justice. Voici, monsieur. Merci. Il en va de l'avenir même de cette entreprise et des 350 employés qui y travaillent. Le palais, c'est ma vie. Votre mère est désolée, elle a été retenue au casino. Vous avez fait mon voyage? Je sais que c'est très égoïste, mais en tout cas, je suis vraiment contente que tu sois là. T'es très belle, t'as l'air en forme. Menteuse. Oh. Pourquoi vous êtes toujours en costume trois pièces, Maurice? Les désirs de votre mère sont aisants. Nous avons perdu beaucoup d'argent hier soir. 5 millions. Et ces difficultés profitent à qui? Voilà la belle brochette qui vous a arnaqué de 5 millions. Fiché au grand banditisme pour escroquerie et vol à main armée. Un trafic de drogue. Ça nous met dans une situation difficile, je ne vous le cache pas. Allô? Je n'aime pas quand vous êtes insistant comme ça. Vous ne comprenez pas, on essaie de vous intimider, c'est la guerre. Petit avocat qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Tu sais, tu me reproches mon silence, j'ai juste besoin de respirer maintenant. Qu'est-ce que tu veux, Agnès Leroux? Est-ce qu'au moins tu sais ce que tu veux? Méfie-toi de ce type, il est malsain, il s'intéresse qu'à ton argent. Je suis plus une petite fille. Je dois te protéger, c'est mon rôle. Tu flingues l'homme que j'aime et t'appelles ça me protéger? Mais moi, je crois que j'ai une idée pour intéresser Fratoni. C'est un gangster, non? Combien elle veut, l'héritière? 3 millions. Dis OK si elle vote contre sa mère. Je vous demande donc de voter pour le renouvellement de mon mandat. Je vote contre. Qu'est-ce que tu fais? Agnès... Agnès... Je vote contre! Je veux récupérer ce qui m'est dû. C'est normal. Hein?